Bonjour tout le monde. Merci d'être ici avec moi. C'est mon premier Facebook Live. Donc, ça, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Mon nom est Sandra Dumais et je fais plein de choses, mais une de mes choses préférées, c'est faire des BD pour enfants. Crime à la ferme, c'est une série avec un inspecteur qui est chèvre, qui est vraiment pas bon à sa job, mais il est vraiment bon comme chèvre. Ça, c'est Inspecteur Biquette. Nous allons apprendre comment dessiner l'inspecteur aujourd'hui. Mais aussi, après ça, on va regarder comment on peut dessiner les émotions facilement dans les visages du monde, dans des personnages. Alors, on va regarder, vous allez me suggérer les émotions, puis on va voir comment, ensemble, on va dessiner comment on peut faire cette émotion avec quelques lignes simples, avec une face ronde, quelques lignes, sourcils, des yeux, la bouche. C'est très facile, puis on n'a pas besoin d'être très bon en dessin. Comme moi, je ne suis pas super très bonne, mais je me débrouille, puis j'ai des trucs pour vous. Et je vais partager mon écran et dessiner avec vous quand c'est le temps de dessiner. Alors, maintenant, je vais partager mon écran et je vais vous montrer quelques expressions, des émotions différentes de l'inspecteur que j'ai dessiné. Et vous allez voir comment on va regarder les sourcils, les yeux, la bouche et les petites lignes autour du visage ou du corps de l'inspecteur pour montrer la surprise, un élément de peur ou des émotions, puis on va regarder comment on a fait cette expression. Alors, je vais partager ici. J'ai fait comme un montage, un petit collage de toutes ces émotions, mais pas toutes ces émotions, mais quelques émotions. Puis j'ai mis une poule là, juste parce que c'est un bon exemple d'avoir peur ou surprise. OK. Alors, le premier ici, c'est l'inspecteur. Ça, c'était quand il tombait d'une échelle. Alors, c'est un peu de peur, c'est un peu de surprise. J'ai fait des lignes autour de ses yeux pour montrer que les yeux sortent un peu. J'ai fait ses lunettes qui montent. Puis j'ai fait, on ne voit pas très bien ici, mais j'ai fait des lignes autour de ses bras qui bougent, il n'est pas stable. Alors, ici, c'est l'inspecteur qui est très émotif quand il apprend quelque chose dans le premier livre. Je ne vais pas gâcher la fin pour vous, mais il apprend quelque chose qui est très, très, très beau, très émotif. Puis il pleure un peu, puis comme toute mêlée dans ses émotions. J'ai fait des sourcils très hauts et les gros yeux pleins d'eau. Ici, il est en panique parce qu'il explique qu'il a une théorie des ovnis et la vache qui a disparu dans le deuxième tome. Donc, quand je mets souvent les petites gouttes d'eau qui sortent, ça fait comme facilement une émotion de panique. Il est désespéré d'expliquer sa théorie de ça. Donc, encore des lignes autour des yeux, ça, c'est quelque chose de très facile pour montrer quelqu'un qui est comme stressé un peu. Même chose ici, il est un peu stressé, il a peur. Parce qu'il a peur de la grande forêt, puis le loup qui reste là peut-être. Alors, il veut pas aller dans la grande forêt. Là, il a peur, puis il tremble un peu. Ici, on voit l'inspecteur il voit son ex-blonde par hasard, puis il est un peu en amour encore avec elle. Alors, j'ai fait ses yeux un peu fermés, des yeux. Si on fait des sourcils comme ça, ça fait quelqu'un qui est comme un peu vulnérable. Donc, on va pratiquer les sourcils aussi. La poule, si vous avez lu les livres, vous savez que la poule est très stressée, toujours un peu hystérique. Elle crie beaucoup, elle panique tout le temps. Donc, grosse bouche, gros yeux, les petites gouttes d'eau ici, quand elle crie à quelqu'un, probablement là. Ça, c'est ici, c'est Inspecteur Biquette qui est très content. Il est heureux, pas de stress, pas de ligne. J'ai
pas fait des lignes autour de ses yeux, sa tête, parce qu'il est calme, il relaxe et content. Ici, c'est une émotion qui est un peu difficile à dessiner. C'est quand quelqu'un est déterminé, puis c'est proche à fâché, à quelqu'un qui est fâché. Alors, les sourcils un peu, comment on dit ça en français? J'ai pas le mot en français, mais les sourcils qui travaillent un peu. Puis là, il est déguisé pour sa job. Il a été appelé pour une enquête, puis il a mis tous ses déguisements, surtout sa moustache. Alors là, il veut travailler, il veut résoudre l'enquête. Ici, on a l'inspecteur Biquette qui a eu peur parce qu'il faisait ses muffins. Il était dans la cuisine, il faisait un gâteau ou quelque chose de même, puis ses scones, excuse-moi. Et là, la cloche a sonné pour l'appeler à l'enquête. Donc, il a eu peur. J'ai même mis ses oreilles qui sautent. Donc, ça, c'est quelque chose de fun avec le BD. On peut faire des choses drôles comme ça. Ses lunettes peuvent sauter, ses oreilles peuvent sauter. Donc, on va jouer avec ça aussi. J'ai fait ses yeux qui sont comme un peu partout parce que la bruit est très forte. Et là, il est ensoufflé. Quand il court pour arriver à la ferme. Puis, je pense qu'il s'est perdu en route. Puis là, il est complètement fatigué. Alors, encore des gouttes d'eau. J'ai mis juste des lignes sur ses joues pour montrer qu'il y a un peu de couleur là. Et oui, ça, on peut jouer aussi avec la posture puis tout, mais on va vraiment regarder le visage maintenant. Donc, je vais enlever ça. Je vous laisse quelques secondes pour chercher un crayon ou un stylo ou un marqueur, n'importe quoi, juste pour faire un dessin avec les lignes et un papier blanc. Et on va dessiner l'inspecteur Piquette ensemble. Et peut-être on va essayer aussi quelques déguisements. Parce que ça, c'est le fun. Peut-être vous pouvez suggérer les déguisements après dans les commentaires. Et je peux dessiner les autres déguisements pour lui. Alors. Est-ce que tu le demandes à un crayon? Je vais chercher mon crayon. Oups, non, ça c'est bien trop grand. OK. En fait, je vais vous montrer avec quoi je dessine maintenant. Je dessine avec un crayon qui n'a pas d'encre. C'est un crayon magique. Je mets un gant parce que je dessine sur une grosse tablette. Et c'est super fun. C'est comme ça. Donc, j'ai mon écran devant moi. Et j'ai un gros, gros écran ici. C'est comme un... comme un télé, je dessine sur l'écran. Donc, ça, c'est pour ne pas coller. Donc, c'est ça que... Et j'utilise Photoshop, qui est tellement le fun. Est-ce que ça va marcher? Je vais choisir un autre crayon, je pense. Oui, OK. Alors, je commence toujours avec... Je ne sais pas pourquoi, mais je commence toujours avec le museau de l'inspecteur. Donc, en haut de la page, on va commencer par une forme comme ça. Ça, c'est son museau. Et pour faire son nez et la ligne pour sa bouche, on fait comme un V ici. Et une ligne. C'est son petit nez. On va le faire souriant, je pense. Avec une sourire. Et toujours, il a ses deux dents. Quand j'ajoute de la couleur après, je fais toujours ses dents jaunes. Parce que j'ai remarqué que les chèvres ont des dents très jaunes. Et je pense que quelqu'un m'a dit que les chèvres ont juste deux dents en bas. Je ne sais pas si c'est vrai. OK, ici, je vais mettre son œil. Il va regarder à côté. Et son autre œil, à peu près ici. Maintenant, on peut choisir qu'est-ce que ses sourcils font. Est-ce qu'il est surpris? Est-ce qu'il est concentré? Est-ce qu'il a eu peur? Là, je vais faire qu'il est un peu surpris.
surpris et content. Donc, ça tape. Comme ça. Mais vous pouvez faire les sourcils comme vous voulez. Et si vous essayez quelques sourcils différents, vous allez voir que c'est, ça change beaucoup. Désolée, c'est mon enfant qui chante. Après, je mets en haut de sa tête, il y a comme des deux bosses sur la tête d'un chèvre. Comme un M. Je vais mettre ici un peu. Et ces cornes qui sortent, qui sont courbées à l'envers. Après, son oreille, les chèvres ont des grosses oreilles. Des fois, les oreilles sont comme plus longues, mais il y a des chèvres avec des oreilles plus rigides. Comme ça. Et une ligne juste ici. Après ça, on va faire son manteau. Mais je ne veux pas oublier sa barbe. La barbe ici, comme je fais juste ça. C'est comme une petite tournade. Et ses lunettes. Il porte ses lunettes sur son nez. Donc, un cercle ici qui touche à son museau. Il y a une autre ici. Et on les joint. Peut-être s'il est surpris, comme le mien, je vais ajouter une ligne ici. Une ligne ou deux. Et ici, là, il porte un genre de manteau, un long manteau avec un collier qui est haut. C'est un peu difficile à dessiner. Je regrette un peu d'avoir designé son manteau comme ça, mais j'ai appris à le faire quand même. Donc, je fais comme une ligne courbée ici. Je traverse ici et je fais comme des marches. Comme ça. Je voulais qu'il ait un collier haut pour se cacher, pour être mystérieux. Mais c'est un peu compliqué pour dessiner. Son manteau est long, alors on peut faire juste une ligne longue. Je n'ai pas beaucoup de place, donc je vais ajouter un petit peu de space à mon écran ici. Oups. Peut-être que je vais le faire un peu plus petit. OK. Ici, on ferme en bas. Je fais une ligne en bas pour son manteau. Puis, on laisse une espace ici et on va décider qu'est-ce qu'on fait avec son bras. Est-ce qu'il a une loupe? Est-ce qu'il a un cahier? Est-ce qu'il fait salut à quelqu'un? Vous pouvez suggérer si vous voulez dans les commentaires. Je ne sais pas si quelqu'un va voir ça. Et je vais mettre. Peut-être qu'il va avoir un bras avec une loupe. C'est un peu difficile à dessiner, mais on va faire ça simplement. OK, son bras comme ça. Et après ça, je vais mettre la loupe avant, comme ça. Peut-être vous pouvez mettre aussi comme des fleurs ou n'importe quoi. Un café. C'est sûr qu'il aime le café. Quand on veut dessiner quelqu'un qui a quelque chose dans la main, on a des lignes pour les doigts. Pas tous les doigts, juste la moitié, puis avec les lignes comme ça. Comme je pense que les chèvres ont juste seulement deux orteils, c'est comme une patte avec deux orteils. Lui, il a juste deux. Donc, c'est facile. Comme ça. Et comme ça. C'est pas grave si c'est pas parfait, évidemment. Donc, si vous faites des erreurs, on ne stresse pas. C'est pour fun. Et on ferme son manteau ici. L'inspecteur a... Je
pas laisser beaucoup de place pour ses pattes. Il a une poche dans son manteau ici. C'est comme ça. J'ai ajouté ça pour montrer qu'est-ce qu'il a toujours dans sa dans son manteau. Il a comme toujours un crayon ou deux. Il a un cahier. Des choses comme ça. Donc, on peut s'amuser avec les détails aussi dans les poches. Ici, on a ses jambes, très facile, deux orteils. Quand il se déguise, des fois, il se met des gougounes. Il a des sandales de détective. Je vais les ajouter parce qu'il fait chaud, il fait beau. Et ouais, peut-être il fait ça lui aussi. Est-ce que ça fait du sens? On va essayer. On ajoute un autre bras. Si on met des petites lignes autour, ça fait allô. En fait, mon gant, c'est comme un gant de chèvre parce qu'il y a juste deux doigts. OK, pour ces déguisements, j'aime vraiment beaucoup me déguiser aussi. J'adore des perruques. Alors, je vais ajouter une perruque de... Est-ce que c'est possible pour vous me suggérer des choses? Je ne vois pas le Facebook Live, mais je ne sais pas si j'entends une voix qui me dit de dessiner quelque chose. Je vais le dessiner. Il faut toujours boire de café aussi quand on dessine le matin. OK, je vais ajouter une perruque bouclée. Alors, peut-être je vais laisser ses oreilles et ses cornes sortir. Et peut-être ça va être long. Ça a l'air d'une perruque très de fun pour le week-end. Un beau dimanche. après ça, peut-être des lunettes soleil, mais comme ça, on cache ses yeux. Peut-être une moustache. J'aime toujours mettre des moustaches. En fait, j'ai souvent des moustaches. Ouais. J'ai souvent une moustache, fausse moustache pour mes visites scolaires. Je mets des fois des moustaches, comme inspecteur Biquette. Alors, si vous avez une moustache, vous pouvez le mettre maintenant pendant qu'on dessine. J'ai enlevé la barbe. Je vais mettre une belle moustache. Après ça, peut-être je vais ajouter comme un collier comme ça. Un collier de Hawaï. Un léon, on appelle ça. Donc, des fleurs. Je ne sais pas c'est quoi le déguisement, mais c'est très, c'est super. Tu déguises en quelqu'un qui fête l'été. On va mettre juste beaucoup, beaucoup de fleurs. OK. Maintenant, je vais laisser ça un instant. Si vous dessinez encore. Et peut-être, je peux poster une image de ça après sur le Facebook si vous êtes un peu, si vous n'êtes pas fini encore. Alors. Oh, OK. Un soleil? On met un beau soleil là. Ici, comme c'est l'été. Oui, bonne idée. Peut-être même un peu de sable. Peut-être il est à la plage. Avec sa moustache, puis... son gros manteau. Est en mode été.
Et probablement avec lui, on verrait un requin, c'est sûr. Est-ce que vous voulez commencer à dessiner les autres visages, les visages humains maintenant? OK. Peut-être maintenant, si vous avez une autre feuille de papier, on peut choisir un autre, on peut prendre un autre papier. Sinon, on peut juste le tourner de l'autre côté. On va dessiner peut-être cinq cercles ou ovales. Ça, c'est nos visages. OK. Il y en a des gros, il y en a des petits, c'est pas grave. Ça, c'est juste pour pratiquer des visages très, très simples. Si on veut commencer par quelqu'un de content et calme, ça, c'est facile. On fait des yeux. On fait des sourcils relax. Et une sourire, comme ça. Une sourire qui est relaxe et fermée. Si on dessine une bouche qui est fermée, ça indique que c'est plus calme. Même si c'est pas content, quand c'est fermé, c'est un niveau de moins. Alors, cette personne est juste content, relaxe. Si on fait quelqu'un de très content, il y a plus d'énergie. Alors, on fait les yeux plus grands. On fait des sourcils plus hauts. Et on fait une bouche grande ouverte. Ça fait plus d'énergie. Ici, on peut ajouter les petites lignes autour qui ajoutent de l'énergie. Même chose pour si on prend la colère. Si quelqu'un est fâché, on peut faire les yeux avec des sourcils comme ça. Si on fait une petite bouche qui est comme ça, c'est quelqu'un qui est un peu légèrement fâché. Mais si on veut ajouter de l'énergie ou de s'il est même plus fâché que ça, on peut même fermer les yeux. Ça, c'est un bon truc. On a déjà vu ça dans les emojis. On peut faire des yeux comme ça. Ça veut dire que les yeux sont fermés, serrés. Et on fait la bouche grande ouverte. Et on peut même ajouter des lignes comme ça. Je vais rajouter, attends, je vais faire la bouche comme ça. Attends, oh my God. Comme ça. On peut ajouter des lignes aussi avec une émotion comme la colère. On peut ajouter des lignes comme s'il a chaud, si fâché qu'il a chaud. On peut faire la bouche comme on voit souvent, comme ça. Quelque chose de même. Ah. Puis un truc pour dessiner les émotions. Une bonne chose, c'est de faire l'expression pendant qu'on dessine. Je fais ça souvent. Donc, quand on est fâché, c'est comme des fois, on monte même les dents. On va essayer ça. S'il fait comme ça, c'est comme même plus fâché. On peut ajouter un peu de couleur ici. Si on fait quelqu'un qui. On a vu ça aussi des emojis. Si on fait quelque chose comme ça, avec les yeux fermés, mais un gros sourire, ça veut dire que quelqu'un rit. Donc, ce n'est pas très, très différent. C'est juste la bouche qui a changé. Puis lui, on va donner
c'est comme cette personne rit si forte qu'il pleure. Triste. Si on fait quelqu'un de triste, on peut faire les yeux. Même, je me demande si on peut faire des yeux comme un peu longs. C'est l'énergie de quelqu'un qui est triste. Puis, je mets de l'eau en bas. Un truc avec les sourcils qui est très effectif. Si on fait, c'est très efficace, si on fait des sourcils courbés comme ça, ça c'est comme si on écoute un film triste. Ou si quelqu'un, si on fait ça avec la bouche, peut-être on écoute, ça c'est très spécifique, mais peut-être on écoute un film qui est triste, puis il y avait quelque chose qui s'est passé qui est un peu surprenant, il ne voulait pas que ça arrive. J'ai cette impression-là avec cette bouche. Si on fait juste ça, simplement comme... Ça, c'est une autre énergie. Ça, c'est plus triste. Peut-être une goutte d'eau là. On ajoute des cheveux tristes aussi. Si on fait quelqu'un de content, on peut faire des cheveux. C'est comme on peut jouer aussi avec des lignes comme ça. Alors, est-ce que vous avez des autres suggestions des émotions qu'on peut dessiner? Je vais enlever l'inspecteur, mais je vais sauvegarder, puis on peut poster après sur Facebook, juste pour faire plus de place. Si vous avez des suggestions d'autres émotions, il y a des émotions mélangées aussi, comme surprise contente, surprise pas contente, peur, stressée. Si quelqu'un stresse, on peut faire la gêne. OK, oui. Attends, je vais faire des yeux, des gros yeux, je pense. Là, je vais faire l'expression pour. OK, les gros yeux, hein? Peut-être quelqu'un est comme... Il y a quelques sortes de gêne, mais si on fait comme... Si on met des dents comme ça, on fait une couleur comme ça, oui, les sourcils courbés. Ça, c'est comme gêné un peu. Ouais, quelque chose est arrivé, puis là, il est comme gêné. Peut-être il y a une autre sorte de gêné aussi. Peut-être, je me demande s'il y a une gêné avec la bouche fermée, les gros yeux. Quelqu'un qui a comme peur de parler devant la classe, par exemple. Comme ça. Oui, ça, c'est comme un autre genre de gêné, peut-être. Fatigué, oui, je connais ça. On peut faire un peu fatigué. Fatigué, ça va être des petits yeux, des yeux fermés, peut-être. On peut faire des gros yeux, mais un peu fermés. Puis les lignes, le secret de la fatigue, c'est les lignes ici, sous les yeux. Peut-être la bouche comme, je ne sais pas pourquoi, mais la bouche comme ça, ça marche avec la fatigue. Ou peut-être, si quelqu'un est très fatigué, on peut faire peut-être des yeux comme ça. Comme presque pas ouvert. Deux lignes là. Puis
Pas d'énergie, même dans les sourcils. Comme ça. Ouais, peut-être ça c'est mieux. Très fatigué, ouais. Plus de lignes. Fermez les yeux même plus. Ou si on fait. Et ça, c'est très fatigué. Ça, c'est endormi. Presque endormi. J'ai fait des petits, petits mini-yeux, là. Ouais, on peut jouer avec les lignes, là. Est-ce qu'il y a une autre émotion qu'on peut voir? Quelqu'un a suggéré la dernière fois mal au corps. Ne sais pas comment j'ai réussi. Peut-être des petits yeux. Oh, surprise! Oh oui, surprise dans une. On va faire surprise dans une bonne sens et surprise dans une mauvaise sens parce qu'il y en a deux. Alors, bonne surprise, des gros yeux. On met tes sourcils très, très haut. La bouche grande ouverte. Je mettrai des lignes autour des yeux. Perdu la sourcil ici. Et des lignes autour de sa tête aussi. Peut-être même ses cheveux sont comme sautés, sont comme très hauts. Mauvaise surprise. Attends. Gros yeux. Bouche grande ouverte. Les sourcils très hauts. Les lignes autour. Ça, c'est une mauvaise surprise. Quand on écoute un film d'horreur. Si on joue beaucoup avec la bouche, on peut changer aussi l'émotion. Si on fait quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Des lignes, plus d'énergie dans les lignes. Ou peut-être juste une bouche comme ça. Alors, si les sourcils sont très hauts et on met des lignes autour des yeux et les yeux sont gros, grands ouverts, c'est comme surprise. Puis après ça, on joue avec la bouche pour montrer quelle sorte de surprise. C'est comme quand on trouve une mille pattes dans notre studio. Ça, c'est moi. Si on met des yeux, oups, qui regardent quelque part, là, notre personne regarde quelque chose d'effrayant. Est-ce qu'il y a d'autres émotions qu'on n'a pas dessinées encore? Oh, je sais. Je vais juste faire ça plus petit pour faire un peu de place. Ajouter un autre petit visage ici. Amoureux. Quand on voit quelque chose qu'on aime beaucoup, ça peut aussi mettre. Un bébé chien, ça c'est facile. On peut toujours regarder aussi les emojis dans le téléphone ou l'iPad. C'est facile à montrer l'amour avec les cœurs aux yeux. Puis un gros sourire qui est fermé.
Les sourcils sont comme peu vulnérables. Peut-être même, je me demande si on met une ligne sous les yeux. Oui. Si vous voulez, vous pouvez dessiner comment vous vous sentez aujourd'hui. Il y a des fois, on se réveille le matin, pas de bonne humeur. Ça arrive. Puis c'est comme, on peut jouer aussi avec les images autour du personnage ou de son visage. Comme si on met une nuage sur la tête. Quelqu'un est juste pas de bonne humeur. Un peu fatigué. Pas vraiment triste, pas vraiment fâché, mais juste pas de bonne humeur. On peut mettre comme un nuage sur la tête. Si on se réveille, puis on se sent dans une mauvaise humeur. Peut-être on se dessine cette journée-là avec un nuage, avec de la pluie. Mais moi, j'aime la pluie, donc ça ne marche pas pour moi. Moi, je serais très contente si j'avais un petit nuage de pluie qui me suivait partout. Mais c'est ça. On peut utiliser aussi la couleur. Si on ajoute de quelque chose de noir ou bleu foncé, un nuage d'orage. C'est une autre affaire qu'un soleil, un arc-en-ciel, des nuages blancs. Alors, on peut utiliser des lignes très simples. Désolée, il y a quelqu'un qui fait de construction. Alors, on entend ça maintenant. Mais on a quelques minutes encore. Si vous voulez vous dessiner comme vous vous sentez aujourd'hui, vous pouvez poster, j'imagine, dans le Facebook, dans l'événement de Facebook, et je vais les regarder tous et laisser un commentaire pour vous. Je dirais qu'aujourd'hui, je suis entre un peu fatiguée parce que j'ai juste eu un petit café. C'est pas assez grand. Alors, je suis entre ici et ici. Parce que j'adore dessiner avec les enfants. Peut-être l'année prochaine, on va dessiner ensemble pour de vrai. Et si vous avez d'autres questions ou autres émotions que vous voulez voir, je serais très contente de dessiner pour vous ici. Un chien, j'adore dessiner les chiens. Je dessine toujours mon chien, qui est le chien le plus beau du monde. Elle s'appelle Indy. Alors, elle a une petite face de même. C'est drôle avec les chiens parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de genres de chiens. Les chats se ressemblent un peu tous, les mêmes oreilles, les mêmes corps, mais les chiens, ça peut changer vraiment beaucoup. Elle a des oreilles de même. Alors, je vais fermer une fenêtre. Attends. Voilà, ça c'est mieux. Excusez-moi. Indy est toujours contente. Quand je fais, elle est un peu fière. Alors, des fois, je ferme ses yeux. Comme ça. Et elle a une très bonne posture. Alors, elle est très. Très droite. En fait, même plus que ça. Attends, je vais changer cette ligne-là. Je vais changer tout. Excusez-moi. Plus comme ça. Et elle a encore comme ça. Elle est très mince, très longue.
Après ça, on a des petites pâtes. La queue qui est bouclée. Un petit bandeau des fois. Et elle a des jambes avec des petits... c'est tout picoté, ses jambes. Et son ventre. Un chien. Des fois, il y a des petits chiens avec plein de poils. J'adore aussi ce genre de chien. C'est comme un gros débarbouillage avec des pattes. C'est fun aussi à dessiner comme ça. Comme sans forme un peu. Ils ont des queues comme ça. Des visages comme ça avec un petit museau. C'est fun à dessiner des chiens. On peut vraiment faire n'importe quoi parce qu'il y a toutes sortes de genres de chiens. Les chats sont plus difficiles pour moi. C'est difficile à dessiner un chat dans une façon différente qu'on voit. Tu sais, comme, il y a toujours comme un... Excuse-moi. Il y a toujours un visage un peu rond. Il y a toujours cette... Excuse-moi. Qu'est-ce que je fais là? Il y a toujours comme des bouches comme ça. Et je ne sais pas très bien comment on peut dessiner d'autres façons des chats. J'ai un chat dans mon livre, dans mes livres d'Inspecteur Piquette. Et je trouve que le chat a été très difficile à trouver une personnalité pour elle. Mais je sais qu'il y a toutes sortes de genres de chats. Mais... Ouais, voilà. Qu'est-ce qui se passe là? OK. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Oh, sur le crime à la ferme, j'en ai deux qui ne sont pas encore finis. Et c'est sur ma liste des prochaines choses à finir. Alors, ça s'en vient. Dans une histoire, il y a quelque chose qui se passe dans la nuit sur la ferme, puis quelque chose de... Il y a un visiteur pas voulu dans la nuit qui mange toutes les bonnes collations de ratons laveurs, qui fait des bordels un peu partout, puis ils savent pas qu'est-ce qui se passe. Donc, ils vont attraper le visiteur. C'est Indy. Ça, c'est mon chien, Indy. Je travaille aussi sur un livre. Et le personnage principal, c'est un chien. Et le chien aime mettre... Il aime aller dans l'auto et mettre sa tête hors de la fenêtre. Alors ça, c'est super fun à dessiner parce que j'adore dessiner les chiens. J'aimerais ça. Non, je travaille sur beaucoup de livres, sur beaucoup de... Surtout des humaines, souvent des humaines. Mais surtout, oui, j'écris beaucoup de livres sur des chiens. Un peu obsédée. Et le chien dans le livre de... Inspecteur Biquette, le chien ici. Attends, oui, là. Ça, c'était un mélange de mon chien et un chien qui s'appelle Gaston au parc à chiens, pas loin de chez moi.
parce que mon chien est très mince, puis je voulais un chien qui était un peu plus costaud. Donc, c'était un mélange. Si vous voulez aussi dessiner un chien, puis envoyer l'image, est-ce qu'ils peuvent poster les images dans le Facebook, l'événement? Oui. Oh, j'ai hâte d'avoir ça. J'aimerais bien ça. Quel autre chien? Je pourrais. Oui, je peux dessiner un chien avec les cheveux longs. Comme peut-être je vais commencer par le nez. Ça, c'est le chien qui est dans mon autre livre. Il a beaucoup de. C'est comme un chien. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais un sheepdog. Un chien de berger de mouton. J'ai inventé ça, je ne sais pas le mot. Mais plein de poils et plein de poils dans les yeux. Souvent, on ne voit même pas les yeux, on voit juste un petit point. C'est comme juste des cheveux partout et les oreilles partout. Ils sont vraiment beaux. Souvent, ils sont gris et blancs. Donner des sourcils. Et il a des pattes, mais on ne voit même pas vraiment ses pattes. C'est juste plus de poils ici. Et les queues sont, oui, comme. Attends, ses jambes vont être là, mais on ne voit pas trop. Peut-être on voit une petite patte. Oh non, pas comme ça. Attends. Ça serait plus long. Ça serait comme ça. Quelque chose de même. Here. Ça, c'est un sheepdog. Merci. Merci. Merci beaucoup, puis à l'année prochaine. C'est parfait. Excellent. Merci tout le monde.